Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dauntless et on va voir comment interrompre un monstre. Alors interrompre un monstre, c'est différent d'étourdir un monstre. Étourdir un monstre, il va falloir tout simplement utiliser une arme de type par exemple marteau ou une lance et viser la tête ou les jambes. Ça va étourdir le monstre et il va tomber. La deuxième méthode, c'est de l'interrompre, c'est-à-dire de l'attaquer à un moment très précis. Ça va se jouer à la seconde, et à ce moment-là, ça va le bloquer dans son attaque. On se retrouve d'ici quelques secondes, à tout de suite. Alors pour interrompre un monstre, il va falloir l'attaquer au bon moment, quand les points d'exclamation apparaissent sur sa tête. C'est un timing très précis à avoir, d'environ une petite seconde, où il va falloir créer une attaque, soit lourde, soit légère, ou pour ma part, vu que je joue la lance, il va falloir que je lui lance un missile en pleine face. Alors on va essayer de faire ça en live. On attend que le monstre s'en aille en courant. Voilà, et là on va essayer de l'interrompre maintenant. Vous voyez, je l'ai interrompu, il est soigné, et là on peut lui mettre de gros dégâts. Alors, juste avant de retourner en ville, je tiens à préciser aussi que chaque monstre a un pattern différent et il y a un moment différent pour l'interrompre. Sur certains monstres, c'est assez compliqué, mais quand vous réussissez à trouver le bon timing, je peux vous assurer que ça offre un énorme avantage à votre équipe. Je viens de vous montrer comment on peut interrompre un monstre. Alors bien entendu, c'est plus ou moins facile ou difficile de le réaliser suivant le monstre que vous allez attaquer. Il y en a qui sont très très rapides, d'autres très très lents, d'autres qui sont vraiment très compliqués à maîtriser. Mais une fois que vous y arrivez, ça va donner un énorme avantage à toute votre équipe. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite sur la chaîne.